Bonjour à tous, ici Grégory Calderby, votre enseignant en activité physique adaptée. On est parti pour une séance avec Trap ton basket. Aujourd'hui au programme, une séance de HIIT Low Impact. Ne bougez pas, une séance où on va travailler le cardio, les muscles, sans saut. Donc HIIT Low Impact. La séance sera composée de 5 exercices où on aura aujourd'hui 5 tours à faire. Ok, on est parti, on va commencer par s'échauffer. On démarre tranquillement. Allez, petit talon-fesse pour démarrer. On va réveiller le corps, on va réveiller les muscles, on va réveiller le cardio comme d'habitude. J'espère que vous êtes en pleine forme à la maison. Rajoutez-moi les bras. Ramenez les coudes vers l'arrière, talon-fesse, droite et gauche. Donc 5 bonnes minutes d'échauffement. Ce sera suivi ensuite de la session de travail, le HIIT sans les sauts. Et on va terminer par un petit peu d'assouplissement, un petit peu de travail de respiration, comme d'habitude. Ok, on continue. Allez, on va décomposer le jack. On ramène les bras vers le ciel. Et on jette la jambe sur le côté. Allez, on pense à bien souffler. Là, les mouvements sont doux pour le moment. On est encore à l'échauffement. On prépare les articulations, on prépare les muscles et on réveille le cardio en douceur. Allez, on continue un petit peu sur les jambes. Rapprochez-moi un petit peu les jambes. Petit squat, on double et on remonte. Doublé squat et on remonte. 1, 2, on remonte. 1, 2, on remonte. Allez, on continue comme ça. On essaie de sentir les muscles qui vont se réveiller au fur et à mesure. Il y a les cuisses qui doivent commencer à chauffer en douceur. On garde une bonne posture, le dos bien droit. On regarde devant soi toujours. Ok, on va repasser sur les bras. C'est reparti vers l'avant. Faites-moi des petits cercles. Allez. Enroulez vers l'avant, petit cercle. On sent les épaules. On reste concentré sur ses muscles. On change de sens et reparti. Allez, c'est bien, on continue. On enchaîne tout de suite ciseaux. Allez, un bras dessus, un bras dessous. Allez, on pense à la respiration également. On essaie de ne pas être en apnée. Allez, on termine par le cardio pour terminer. Petit saut sur le côté, droite, gauche, droite, gauche. Allez, tranquillement. On continue, montez de genoux, on est sur place, on monte les genoux, on accentue avec les bras vers l'arrière, allez c'est bien, on continue, dernière ligne droite, et après on attaque les exercices. Ok, nickel messieurs, dames, prenez votre bouteille d'eau, tapis de sol si vous le souhaitez et on est parti, c'est son travail, let's go. Pour cette séance aujourd'hui, nous aurons donc 5 exercices à réaliser. Je vous présente les 5 exercices. Premier exercice, squat, jambes dedans, jambes à l'extérieur. On va démarrer, squat, jambes serrées, on remonte, jambes à l'extérieur, on redescend, on revient à l'intérieur, on repart de l'autre côté, extérieur, intérieur, extérieur, intérieur, ok? Donc il y aura 45 secondes de travail et 15 secondes de récupération. C'est le premier exercice, on attaque le deuxième exercice. Ça se passe au sol. Position de pompe, on descend au sol, on tend les jambes, on tend les bras. On reste 2 secondes, on revient et on remonte. Ok, deuxième exercice.
troisième exercice, vous le connaissez bien, les fentes arrière. On descend, le genou, le dos droit, je remonte et je redescends. On va démarrer par la jambe droite, puis la jambe gauche, ok? Et le dernier exercice, on aura besoin du tapis également. Je descends, je viens poser les mains, je viens en position de planche et je remonte. Je descends, je viens poser les mains, position de planche et je remonte. Ok? Donc c'est parti pour 45 secondes de travail. C'est parti, premier exercice. Squat dedans, squat à l'extérieur. On prend son temps pour descendre. On est en low impact. Donc pas de saut. L'objectif, vraiment travailler là au niveau musculaire. Allez, on pense à bien souffler. On descend. Jambes serrées, on écarte. On revient, jambes serrées et on écarte de l'autre côté. Gardez le dos droit. Inspirez en descendant, soufflez en montant. Allez, on continue. 3, 2, 1, on relâche. Super. Donc je rappelle l'objectif du HIIT. Là, aujourd'hui, ça va être de faire 45 secondes de travail, 15 secondes de récupération. On est en récupération là. On pense à bien souffler. Inspirez par le nez. On souffle par la bouche. On se prépare pour le deuxième exercice. C'est parti. Une pompe. Je tends les jambes, je tends les bras. Et je reviens. C'est parti. Pareil, on accentue sur la respiration. Essayez de sentir les muscles fessiers, les muscles du dos qui travaillent, les épaules sur les pompes, la poitrine. Ok, super. Deuxième exercice, terminé. Troisième exercice, on va partir avec la fente arrière. On se met en position, on commence par la jambe droite. 3, 2, 1, let's go. Prenez votre temps sur ce mouvement. Gardez le dos droit, regardez en face de vous. Ne regardez pas le sol. Contrôlez votre équilibre. Sentez la jambe qui travaille. On n'oublie pas le souffle. Allez, c'est bien. On continue. Trois, deux, un, on relâche. Allez, on profite pour bien souffler. On a 15 secondes et on enchaîne tout de suite de l'autre côté. Fente arrière à gauche. On se prépare. 3, 2, 1, let's go. Allez. On va commencer à sentir les muscles qui chauffent. C'est le début de l'exercice, c'est normal. Prenez votre temps. L'objectif là, c'est de solliciter les muscles plus que le cardio. Donc, pas de vitesse. Deux, un, on relâche. Super. Allez, on va attaquer le dernier exercice. Une belle descente. On s'aide des mains pour avancer et on tient la position de planche. Ok? Poussez bien les fessiers vers l'arrière pour descendre. On pose les mains droite, gauche, position de planche et je remonte. C'est reparti.
On pense à bien serrer au niveau du ventre. Excellent exercice qui vient solliciter de nombreux groupes musculaires, les cuisses, les fessiers, les abdominaux, les bras. Allez, on continue. Ok, on relâche. Super. On a terminé le premier tour. Il nous en reste trois. Allez, on profite pour bien souffler, on ne bloque pas sa respiration. On reprend notre premier exercice. 3, 2, 1. Jambes serrées, je remonte, jambes écart. Allez, on est parti. Une bonne séance de HIIT. À la maison, en extérieur. Pas besoin de matériel. Pour bien travailler. Allez, pensez là vraiment à être focus sur votre dos, sur vos jambes. Quand vous réalisez les exercices, pas de douleur. On relâche, super. On tient le coup, on y va. Si vous ressentez le besoin de boire un petit coup, n'hésitez surtout pas. On se prépare pour les pompes. Position. Vous êtes prêts? C'est parti. Sur cet exercice, on a tendance à bloquer sa respiration. Donc forcez-vous à souffler, d'inspirer par le nez et de souffler par la bouche. Venez freiner la descente sur les pompes. Super, on relâche. On n'hésite pas, on prend un petit peu d'eau, on boit quand on peut. On se prépare pour les fentes. Let's go. Allez, mouvement lent, mais efficace. Cuisses, fessiers, abdominaux, on sent. Allez. Pareil, inspirez en descendant, soufflez en remontant. C'est bien, on continue. Toujours le regard droit, la tête haute. Les mouvements sont lents. 3, 2, 1, on relâche. Super. On a attaqué le deuxième tour, hein. Il va nous rester encore deux tours. On se prépare là pour les fentes arrière gauche. Pareil, une belle descente. Descendez le genou. Regardez devant vous. Prêt? Let's go! Ne jetez pas la jambe trop loin vers l'arrière également. Si j'ai les genoux qui font un peu mal, j'hésite pas à moins descendre. Et si je vois que les 45 secondes sont un peu trop longues, j'hésite pas à m'arrêter à 25 ou 30 secondes. Deux, un, on relâche, super. Allez, on termine avec notre ours. Une belle descente, on s'aide des mains en bien serrant au niveau des abdos. Ne relâchez pas le tronc, ok? Prêt, let's go!
Je rentre le ventre, je tiens et je reviens. Je remonte. Mon ventre est toujours serré sur ce mouvement. Et surtout, n'oublie pas le souffle. Le dernier. Super. Deux tours sont terminés, messieurs, dames. On va continuer. Il nous reste deux tours. Restez avec moi jusqu'au bout. N'hésitez pas à boire un petit peu. On reprend notre premier exercice. Prêt? Let's go. Jambes serrées, je viens écarter. Je reviens, jambes serrées. J'écarte de nouveau de l'autre côté. On continue. Les mouvements sont lents et nous permettent un travail optimal au niveau des muscles. Sans se blesser. Allez, on tient le coup. On a passé la moitié de la séance. On relâche. Super, messieurs, dames. On tient le coup jusqu'au bout. On va la passer cette séance de HIIT. On se prépare. Les pompes au sol. Allez, position. Let's go. Rappel, vous venez freiner la descente. Jetez les bras. Agrandissez-vous au maximum. Pense à bien souffler toujours. 3, 2, 1, on relâche. Super. On continue. On enchaîne sur les belles descentes. Fente arrière. Côté droit du premier. Prêt. Let's go. Allez. On monte la jambe. Toujours droit devant. J'inspire en descendant. Je souffle en montant. Mes bras sont là pour m'équilibrer. Toujours le bras opposé qui vient vers l'avant au genou. On continue tranquillement en respirant. 2, 1, on relâche. Super. On pense à bien souffler. On profite pour inspirer par le nez, souffler par la bouche. Durant ces 15 secondes de récupération, on essaie vraiment de faire redescendre le cardio. C'est reparti de l'autre côté. Pareil. Une belle descente et on repart. Là, vous devez commencer à sentir les muscles, sentir un léger essoufflement et surtout prendre du plaisir. C'est votre moment à vous, un moment où on se défoule, ça nous fait du bien. On relâche, super. Ouh. On va terminer avec notre ours et on va le passer ce troisième tour. Toujours une belle descente,
On s'aide des bras en serrant au niveau des abdominaux. Prêt? C'est parti. Allez. Je tiens la position et je remonte. Je remonte. Abdos serrés, fessiers serrés. Ne lâchez pas, on tient le coup. Deux, un, on relâche. Ouh, super, on a passé le troisième tour. Prenez de l'eau. Et on attaque ce dernier tour. On tient le coup jusqu'au bout. Jambes serrées, let's go. Écart, et on revient. Dos droit, fessiers engagés vers l'arrière. Mouvement lent, on inspire en descendant, on souffle en montant. Pour ceux qui peuvent, on descend un petit peu plus. Allez jusqu'au bout. 3, 2, 1, on relâche, super. Plus que 4 exercices, messieurs, dames, restez avec moi. On va passer aux pompes. On descend. Une belle position de pompe. Je freine la descente et je me tends vers l'avant. On tient le coup. On pense à bien souffler. On relâche. Ouh. Super. Plus que 3 exercices pour clôturer cette séance. Restez avec moi. On attaque les fentes. Toujours la jambe droite pour démarrer. 3, 2, 1, let's go. Allez. Donnez-vous à fond. Ne relâchez pas. Restez focus sur les muscles. Ne pensez à rien d'autre. On n'oublie pas le souffle. Trois, deux, un. On relâche. Super. 15 secondes de récup. On passe de l'autre côté. Plus que 2 exercices, restez avec moi. Une belle fente vers l'arrière. Prêt, c'est maintenant. Allez, on tient le coup. On garde le sourire à la maison. On prend toujours son temps, pas de vitesse. Trois, deux, un, on relâche.
C'est la bonne nouvelle. Il nous reste un exercice. C'est maintenant. Une belle descente. On donne tout sur ces 45 dernières secondes. Prêt? 3, 2, 1. C'est maintenant. On s'aide des abdominaux. Les fessiers sont serrés. Et on remonte. Descendez-moi sur les jambes. Au maximum. Je descends. Je pose les mains. J'ai le ventre serré. Je remonte. J'oublie pas ma respiration. Jusqu'au bout. On va clôturer cette séance. 2, 1. Wouh! Super, messieurs, dames. Bravo à vous. Prenez de l'eau tout de suite. Buvez un petit coup. Et on passe aux étirements de suite. Super. J'espère sincèrement que cette séance vous a plu. Pour terminer, tranquillement, on va s'étirer. Relâchez-moi les bras. Inspirez par le nez. Soufflez par la bouche. Relâchez. Allez, on pousse vers le ciel. On s'agrandit. Agrandissez-vous encore. Sentez le dos. Sentez les épaules. Sentez les bras. On relâche. Sur les côtés, poussez, poussez au max. Sentez les épaules, sentez les bras, sentez les doigts. On relâche, pieds joints. On relâche les bras, les jambes sont tendues et on pivote de droite à gauche en douceur. Relâchez la tête. Sentez que ça tire à l'arrière des cuisses, au niveau des mollets. Restez stable, immobile, pliez les genoux et déroulez le dos. On saisit plat du pied, on ramène talon au niveau du fessier. Si j'ai besoin de me tenir à un mur, je n'hésite pas. Je m'équilibre, je relâche de l'autre côté. Je suis stable, je sens l'avant de ma cuisse qui tire. Je relâche et je termine avec deux grandes respirations. On inspire par le nez, on monte les bras. Tournez les mains, soufflez, redescendez. Une dernière, on inspire. Montez les mains, tournez les mains et soufflez. Super, messieurs, dames, bravo à vous. Cette séance est terminée. Noix à trouve, trappe ton basket et reste en case.